Chantal Chautemps, vous êtes à la tête de la bibliothèque d'Ampuy depuis 16 ans. Aujourd'hui, vous avez des nouveaux lecteurs qui viennent d'arriver puisque l'association Ampuy Culture et Patrimoine a remis une carte de lecteur à 6 résidents du foyer Le Renard. Qu'est-ce que ça fait à la bibliothèque d'accueillir de nouveaux lecteurs, en particulier des jeunes et des adultes aussi, lecteurs ? Je trouve que c'est très intéressant parce que nous avions déjà eu quelques résidents du foyer Renard qui venaient régulièrement à la Bibli. Et là, c'est intéressant. On a six nouveaux lecteurs résidents du foyer Renard. Et ça va leur permettre de découvrir des livres et de lire aussi. Et puis, pour nous, eh bien, ça élargit l'horizon de nos lecteurs. Et on pourra les conseiller sur les livres qu'ils aiment lire ou leur faire découvrir d'autres livres. Et puis, comme la bibliothèque, c'est un lieu de discussion, de rencontre, c'est un lieu d'amitié. Voilà, c'est très bien. En espérant qu'ils viendront régulièrement après et qu'on pourra les conseiller sur des lectures. Votre fonds de livres se monte à combien ici à la bibliothèque ? On a à peu près 3 500 livres entre les livres adultes et les livres enfants. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que cette bibliothèque, elle est animée par des bénévoles, je crois, une équipe oui. de 8 ou 9 bénévoles. Non, parlez-en un petit peu. Oui, bénévoles. Alors, moi, je suis responsable depuis 16 ans, comme vous l'avez dit. Et puis, on a 8 bénévoles, ce qui est indispensable parce que quand on achète des nouveaux livres, il y a tout un travail de préparation avant que les livres soient auprès. Donc, les couvrir, les cataloguer et tout ça. Donc, même quelquefois, on trouve qu'on n'est pas assez nombreux. Voilà, on a recruté 2 nouvelles personnes et il faut que le nombre des bénévoles s'étoffe un peu.